Tiens, Sophie, pourquoi tout ce lierre sur ta maison? J'aime les maisons avec du lierre. Peut-être celle-ci en a déjà eu. Donc, peut-être, oui. Avouez les mots, vous avez de la chance. Vous dessinez ce qui vous plaît, personne n'est trop à redire. Allez, viens, on va prendre un peu l'air. Je suis enfermé depuis le déjeuner. D'accord. Viens, j'ai repéré une taupe. Depuis 3 jours, elle creuse sa galerie près de la haie. Ah, j'achèterai du produit. Pas la peine, papa. Il n'y a pas encore de fleurs là-bas. Tu vois, il n'y a pas une couselière sur la maison. On pourra en planter. Écoute, t'as mes rapporteurs des araignées. C'est idiot, ça n'attaque que les insectes. François n'est pas encore habitué à cette maison, il faut lui laisser un peu de temps. C'est drôle, il n'y a pas deux fenêtres semblables. Je me demande en quelle année elle a été construite. Elle doit avoir au moins 100 ans. Oh, peut-être pas. C'est le type même de propriété construite pendant les deux guerres. C'est bien en 35 que tu es né. Non, en 34. Et à cette époque, dans les maisons comme celle-là, on vivait le Cap Corse, on dansait le Foxtrot. Pourquoi est-elle restée si longtemps abandonnée? Est-ce que je sais, moi? Au fond, il n'y avait que nous pour habiter ici. Qu'est-ce que tu veux dire? Ni toi, ni moi, ni maman, ni non les maisons neuves. Tu te souviens de toutes ces inscriptions sur les murs et les nids d'hirondelles dans la grande pièce? Et puis aussi les vieux journaux, les bouteilles vides, les tuyaux arrachés. Si tu n'avais pas été aussi emballé, on aurait peut-être choisi l'autre. Et on aurait sûrement été moins bien. Papa, papa! Oh, qui m'a trouvé la pause! Oh là, c'est bien lourd! J'ai longtemps où c'est pavé? Où tu étais? Je suis en train de jouer avec mes soldats derrière la maison. Viens voir. Un longtemps maintenant. Tu es tout le temps avec Sophie, pas avec moi. Bon, je dirai tout à l'heure. Mais pour l'instant, on a promis à ton moment de l'aider. On y va? Oui. Allez. Oh. Allez, ça y est. Brum, pom, 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 pom. Viens, Sophie. Allez. Brum, 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 brum. Les enfants vont avoir faim. Bon, écoutez, pour lui, on ne repasse pas gagner un peu d'argent. Ça nous permettra de tenir tout ça. On est venu ici pour respirer un peu le bon air. Et tu cours déjà la maison de Gadget. Tu viens de dire que le bon air, je respirerai quand je resterai à longueur de journée devant la lessive et la vaisselle. Tu gagnes pas assez pour me payer tout ça. Oh, ça va, on va pas recommencer, non? J'adore ça. En ville, Dominique était toujours dans mes jambes. Il est dehors depuis le déjeuner. J'ai pu travailler en paix. Je crois que la cuisine devrait être bleue. Toutes nos cuisines ont été vertes. Pas non plus. Une cuisine bleue, ça changera un peu. Je pourrais jamais faire du bon pain dans une cuisine bleue. Sandra a une cuisine blanche. Et son pain est bien meilleur que le tien. Allons, les filles, nous n'allons pas nous fâcher, non? Et Sophie, cesse de discuter avec ta mère. Elle passe beaucoup plus de temps que toi dans la vie. Ah merde. Mais c'est pas la peine de me regarder comme ça, je suis pour rien. Tu te moques de moi? J'ai aucune envie de plaisanter, je t'assure. C'est quoi alors? Un tremblement de terre? Tu l'as posé n'importe comment, voilà tout. Bon, il est possible de faire le dîner dans une palette, pareil. Bon, on va faire des grillades dans la cheminée, je pense chez le boucher. Et puis toi, c'est sérieux. T'aider à quelque chose? Mais non, va t'occuper de ton frère, il doit être dans le jardin. Très bien, maman.
maintenant quand je pourrais compter sur toi. C'est leur faute, maman, regarde-les. Il n'y a pas de quoi s'énerver, mon chéri. Allez, viens, c'est fini. C'est le changement d'air. Qu'est fatigué, hein? C'est pas moi. Je voulais qu'ils s'amusent avec moi. Pourquoi ils sont cassés? Mais c'est pas grave, voisin. Vous n'en avez pas réussi, hein? Allez, allez. Maman et Sophie vont jouer avec toi. Pourquoi est-ce que tu dessines tout ça? C'est mon métier. C'est ce que tu voulais faire? Quand? Quand tu as eu envie de faire du dessin? Mon rêve, c'était de gravir. Mais il ne faut pas savoir s'arrêter. Pourquoi? C'était pas bon? Bon, pas bon, j'ai très vite cessé de me poser des questions. C'était pas possible, voilà tout. À cause de nous? Sans vous, je n'aurais jamais connu tout ça. Ne te tracasse pas. Laisse-moi te réveiller. Tu m'emmèneras au cinéma cet après-midi. Je suis Inès. D'accord. Mais si j'ai fini, non, que j'ai fini, si tu me laisses travailler.
Sophie, mais qu'est-ce... Qu'est-ce qui lui prend? De faire connaissance avec les voisins. Les inviter à prendre un verre. Les voisins, quels voisins? On ne connaît personne. Ah, c'est pas le moment, hein? Si tu veux des framboises, tu vas les chercher, comme ta sœur. Bon, je vais travailler, moi. Hier soir, tu nous as dit que tu avais le droit d'avoir la paix dans ta chambre. Nous aussi, nous avons ce droit. Tu n'es plus une enfant, tout de même. Je n'aime pas entendre quelqu'un qui respire à côté de moi. Cette chambre est à moi. Qu'est-ce que ça signifie? Cette maison est à nous tous. Non, vraiment, merci, madame. Merci, hein, de vous être dérangé si vite. Ce n'est rien. Je ne voudrais pas que vous pensiez que les gens du pays ne vous aiment pas. Personne ici n'a eu d'histoire de chance. Sûrement des petits voyous. Je devrais peut-être acheter un chien. Si ça peut vous faire plaisir, je demanderai au village. Merci. Au revoir. Au revoir. Regarde-moi. Elle m'a traînée dans tous les magasins. On a acheté des robes pour Sophie. On va vraiment la remettre en pension. Oh, c'est pas cette tête. L'année dernière, avec nos déménagements, elle n'a jamais rien fait.
histoire à régler. Impossible de le faire ouvrir à lui. Ça nous fera le plus grand bien de se poser avec lui. Il a l'air heureux. Pas la manière que ta mère te pourrait sortir dans nos affaires. D'abord, qu'est-ce qu'elle en sait? Elle vit en plein 19e siècle. Tu vas lui dire qu'elle nous fout de la paix, maître pour tous. Ce n'est pas juste. Elle est très compréhensive sur plus d'un point. Ah oui, lequel? Cette maison, par exemple. Elle n'a rien dit quand nous l'avons achetée. On n'y manquait plus de ça. Est-ce que nous leur avons demandé de nous aider? Elle nous a tout de même dépanné. Et alors? Tu t'imagines que ça lui donne des droits sur la paix? Je tiens à ce que ce type fréquente des filles de son âge, voilà. Elle passe trop de temps toute seule. Des fois, j'ai l'impression qu'elle n'écoute même pas ce que je dis. Oh, arrête de boire. Henri va arriver quand vous vous y mettez tous les deux. Oui, t'as raison. Il va apporter un vin sensationnel, je préfère me réserver pour ça. Cette cochonnerie! Regarde tes mains! Que va dire ton père? Va les laver immédiatement, s'il te plaît! Si vous vous êtes battu, il faut le dire. Non, attends, tu verras. Hop, mon grand! Hop là! Allez, Dominique, c'est pas le moment. Allez, va jouer là-bas! Allez, ouste, dégage! Ma belle! Mais qu'est-ce qu'il y a? On était tranquillement en train de boire un verre. Tout à coup, les oiseaux se sont tus. Les verres et la table, les bouteilles. Commencé à bouger, j'ai d'abord cru que la table était mal calée. Tout à coup, elle s'est littéralement envolée, elle a traversé la porte. Et elle s'est jetée là-bas vers la télévision, ensuite vers le mur. Et elle a tout foutu en l'air. Et tout ça, juste avant que tu arrives. Moi, dans toute cette histoire, vous aviez poussé un peu sur le kiff, non? Oh, t'es fou. Les pétroliers ne rigolent pas. Quand je pense à Marrakech, je revois toujours le petit môme qui nous accompagnait dans les souks. Tu te souviens, Marc?
Avec comment il s'appelait déjà Emmett, je crois, non? Dominique n'était pas encore né. Je ne sais pas comment t'as fait, mais ton dîner était splendide. Tout le mérite en revient à tes qualités incomparables de sommelier, mon cher. Excusez-moi, je sommeille. On se verra demain. Quoi, qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux pas entendre la fin de mon histoire? Tes histoires sont si longues que j'en oublie toujours le début. Ben, Sophie. Ah bon, mes histoires maintenant t'ennuient? Dites-nous, mais cette petite fille commence à devenir une femme. Ne la bouscule pas, écoute. Bon, vas-y, je t'en veux pas. Demain, je t'achèterai une glace. Bonsoir, papa. Bonsoir, chérie. Bonne nuit, dors bien. N'oublie pas que demain, tu dois t'occuper de tes inscriptions pour l'école. Ah oui, hein? Oui, maman. Vas-y, continue, puisque t'es en meurtre d'envie. Ah oui, et alors? Alors, voilà. J'étais dans le désert sud-marocain quand je vois une vieille femme que j'avais connue dans la casbah. Quel rapport avec ce qui s'est passé ici? Bah, attends un peu. C'était une femme un peu ordinaire. Mais il y avait quelque chose. Quelque chose m'avait choqué. Toi, choqué par une femme. Tu veux ton cigare? Merci. Ah oui, pourquoi? Dans le camp, il y avait une centaine de pétroliers. Ah tiens, c'est mon klaxon qui déconne. Ça va pas recommencer. Il est bourré de contusions, enfin une légère fracture du crâne, il a deux côtes cassées. C'est pas beau à voir. Seulement je savais comment ça s'est passé. Deux express, une semaine. Tu veux que je te dise?
pour le moment dit oui. La télé te paiera royalement, comme d'habitude. Puis tu m'en rendras service. Il y a longtemps que je voulais faire une émission de ce genre. Tu peux pas savoir comme c'est difficile de meubler une heure par semaine. C'est ça que c'est toujours pareil. Je ne sais pas ce que François se penserait de cette idée. Elle est sous tranquillisant pour toute la semaine. T'en fais pas. Bon, d'accord. Mais alors, tu t'arranges pour que notre nom ne soit pas cité. T'en fais pas, les gars sont très discrets. Pourquoi tu m'empêches d'y aller? Je veux voir ce qu'ils vont faire. Ça suffit. Il y a déjà assez de problèmes comme ça. Tu resteras chez ta grand-mère. Je t'en prie. Mais papa, je te jure que je ne les dérangerai pas. J'enregistre à 20 mètres, tu te rends compte? Tu finiras par enregistrer tes pensées, toi. Dis-moi, tu crois pas qu'il s'agit d'une forme d'hystérie collective? Non, je connais Marc et Françoise depuis des années. C'est pas le genre. Non, mais imagine qu'ils aient picolé. Et qu'Henri ait serré d'un peu trop près la femme de son copain. Ils sont peut-être bagarrés, c'est tout. Non, c'est impossible. Il faudrait trois types comme Marc pour venir à bout d'Henri. Non, il doit y avoir autre chose. Ce qu'il faut, c'est analyser parfaitement la situation. Et surtout, la présenter au public avec un peu d'astuce pour qu'il l'avale. Ouais. La sauce est quelquefois plus importante que le poisson. Mon beau frère m'a demandé pourquoi je bosse pendant le week-end, puisque ça me casse les pieds. Hey, couillon, pour gagner triple, je lui ai répondu. Imagine comment un type comme moi fait pour payer sa maison. Tiens. En deux ou trois films et avec un bon agent. À une fille qui a pas honte, on ramasse plus que moi en 100 ans de boulot. Allons, Kleber, t'excites pas. C'est déjà pas mal en part la campagne. Ouais. Le problème pour moi, c'est que ça doit cruellement manquer de nana là-bas. Hein. Ah, tu penses qu'il y a ça, hein? N'oublie pas ce que t'as ramassé au festival de l'année dernière. Inoubliable. Personne là. Pas de lame dans les chaumières. Et n'oublie pas que je suis allergique aux zooms. Bon, on va installer les gamelles dans les deux pièces et mettez... la commande principale dans le living. Ah, mais j'ai demandé 25 lampes à la régie et bien sûr, on m'en a filé 15. T'en as besoin de combien? Pour 10. Alors, cesse de râler, grouille-toi. Allez.
Alors, je vais voir les greniers. J'aime bien les greniers. Ben, installe-toi dans la chambre du boss, là. Tu descends tout de suite. Après, on commence à travailler. Hein. Ok. Ça fait quand même un drôle d'effet. Pourquoi ? T'aimes pas le cognac ? Entrer comme ça dans la vie des gens. 20 des Incas. Qu'est-ce qu'on va pas chercher ? Je crois que j'aurais fait un très mauvais reporter. Eh ben moi, je trouve ça plutôt rigolo. Ah bon ? Tu vois des trucs. Tu connais des gens. Ça sert à quoi ? Ah ben, ça sert à quoi ? J'en sais rien, moi. Tiens, l'autre jour, on est allé chez un écrivain. Une interview. Et bien aussi surprenant que ce soit, ce gars-là, tout intellectuel qu'il est, il a une serre avec des plantes tropicales, cultive le Mycenium nontropus, il arrose ses Velocipedis géranium, et bien ça le distrait, quoi, ça lui fait passer le temps. C'est bien, non? Pérou, l'éclairage est réglé dans la cuisine. Ok, j'arrive. Tiens, regarde, je peux commander le groupe d'ici. Bon, parfait, ça sera très bien. Alors on commence ici. Le roi, oui. Tu ouvres sur un gros plan du sang séché. Hein? Non. Et tu fais un panier sur ma gueule. Bon, vous y êtes? Oui, oui. Allons. Cuisine une première. Bon, j'y vais. Samedi dernier, une famille de quatre personnes a été la victime de surprenants phénomènes. Leur maison a été partiellement ravagée et un de leurs amis grièvement blessé. L'exposé objectif des faits risque d'effrayer la plupart d'entre vous et de faire rire les autres. Cependant, ce qui s'est passé ici est tellement inimaginable que l'on ne peut résister à la tentation des explications les plus fantastiques. Ça ne gêne pas trop pour retourner dans ta casserole. J'ai visité le grenier et la cave. Rien d'anormal. Pas de rambourg, pas de chaîne. Ouais. Alors, c'est bientôt prêt. T'es bien en soubrette. Soubrette et toi en barman, on n'a rien à craindre. Tiens. Et tu sais ce que j'ai trouvé dans les Dugosse? Non. Une grande corde dégueulasse entre les draps. Et où est cette corde? Jetée par la fenêtre. Tu l'as pas filmée? Mais je t'ai dit de filmer tout ce que tu voyais, même si tu sais pas ce que c'est. Enfin écoute, il s'agit de savoir, tu m'as dit que la poupée, ça n'avait pas d'importance. Bon, cette pièce, tu l'as prise? Ben non, ici, c'est rien passé. Tu tournes tout. Tourne tout, on ne sait jamais. Maintenant. Aucune importance. Ton père s'est fait ici, il viendra sûrement te chercher.
étranglé. Il a plongé sa main dans la casserole. C'est vrai, t'as fait ça? Ouais! Je sais pas, j'ai tout de même le droit de savoir ce qui s'est passé. Mais j'en sais rien moi-même. Elle a dû se traverser. Enfin, j'étais à côté de toi, j'ai bien vu. Je vais chercher un pansement. Non, ça a pu intéresser. Ah, oh, mais c'est toi qui le dis! Qu'est-ce que je fais? Étonnante, cette monde. Ça veut pas dire qu'elle perd son sang-froid. Aïe, ça fait mal. J'y vais doucement, mais il faut que je le fasse. Qui c'est qui t'a appris le secourisme? Personne, y a pas besoin d'apprendre. Eh ben, tu sais, ça fait rudement mal. Quand j'étais gosse, j'ai mis les pieds dans une bassine d'eau bouillante. Eh ben, je m'en souviens encore. Quelqu'un s'occupe de la bouffe, sinon personne ne mangera. Ça va mieux, monsieur Beretti? Ça brûle moins, mais maintenant c'est tout le bras qui fait mal. Ah. Merci. Toi, tu vas me faire le plaisir de manger. Oh, mais laisse-la dans tranquille, t'es pas son père. Je la connais depuis l'âge de 2 ans et en l'absence de Marc, c'est moi qui commande. Ouais, mais t'as des délicatesses de jeune fille, toi. Je fais toujours ça dans les endroits que je ne connais pas. Tiens, tu mangeras bien un petit quelque chose. Merci, c'est pas faim du tout. Merci. Alors, les dames, d'abord. Elle a le temps de devenir une dame. Eh oui, mais... Vous m'entendez? Je suis le père d'Aval, ses enfants sont mes élèves. Je ne savais pas qu'il y avait du monde. Mais vous n'avez pas vu les lumières? Si, justement, c'est ce qui m'a intrigué. J'ai les clés de la maison. Depuis 8 ans, nous venons ici avec les petites du pensionnat. La maison n'était pas habitée. Ah, naturellement, si nous vous dérangeons, nous allons partir. Non, au contraire, restez. Le roi, tu as appris tout ça? Qu'est-ce que tu crois? Pardon? Voilà, mon père, nous tournons une émission de télévision, et si les câbles et les caméras ne vous gênent pas, on pourra trouver une pièce pour héberger vos petites. Je vous remercie, mais vous savez, elles ne sont pas du tout habituées à ça. Maintenant, ce sont des petites orphelines, elles viennent de milieux très modestes. Elles n'en seront plus naturelles. Oui, bien sûr, je comprends bien. Enfin, tout compte fait, on pourrait prendre le minibus et aller coucher ailleurs. Vous êtes venu en voiture? Oui. C'est-à-dire que quand nous allons à la campagne, l'économe nous prête son minibus très aimablement. Elles sont enfermées toute la semaine au pensionnat, alors ça leur permet de prendre un peu l'air. Vous m'aideriez beaucoup en me permettant de vous interviewer. Je ne vois pas en quoi je pourrais vous aider. Et si, en me racontant vos expériences dans cette maison? Mais j'ai aucune expérience ici, moi j'ai rien à vous raconter. Non, puis je vous avoue, tout ça m'ennuie un peu. J'ai peur que ça tourne la tête à ces enfants. Est-ce que vous avez dîné? Oui, dans le minibus. Bon, eh bien, si elle ne touche pas notre matériel, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie. Bon, allez les enfants. Allez vous coucher, il est tard. Allez, c'est en haut là. Et quand vous aurez fini, venez prendre le café avec nous. Hein? Un curé édifiant en pleine nuit, c'est pas mal, non? Ah. Bon, ben moi, je soulage. Allez, je préfère le café. Alors le café, c'est serré.
Comment ça va ta main? Oh, ça brûle du diable. J'ai beaucoup de mal à m'occuper du micro. Tu veux que la Berthe t'emmène en ville voir un médecin? Non, non, attendons. Je sais pas où Sophie a mis cette crème. Je sais pas, en tout cas, elle est là-haut avec les filles, je pense. Ton père est dessinateur? Il se défend pas mal. Je crois qu'il manque un peu d'imagination. Pourquoi dis-tu ça? C'est lui qui le dit. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Dis-moi, Sophie, votre ami Henri, s'est vraiment jeté par la fenêtre ou tout ça n'est qu'un prétexte pour faire une émission de plus? Non, 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 je l'ai vu. Pourquoi es-tu revenu? Il fallait que je donne à manger à mon chien. Ton chien? T'es pas de chien? Non, bien sûr. Mais pourquoi dis-tu ça? Je me sens mieux lorsque je donne une raison. Ça marche comme ça? Fais attention, Sophie, tu gâches la pellicule. Hein? Non. J'ai travaillé, moi. Tu voudrais un petit chien? Non, pas spécialement. C'est drôle. Eh bien, j'ai mis des plans. Non, j'en suis certain, j'ai rien entendu. Bizarre. Vous êtes entré à peine 10 secondes après quand vous m'avez cessé. C'est possible, mais je vous assure que j'ai pas entendu le moindre son. Va-t-il y avoir une explication? Et laquelle? Oui, c'est vrai, les portes et les fenêtres étaient fermées, mais le bruit était si fort que vous auriez dû l'entendre. C'est incroyable. Que voulez-vous qu'il dise ici? Contre 3. Elles sont toutes là? Oui. Alors, il n'y a personne? Qu'est-ce que c'est que tout ce monde? Pardon. Ah, tu es là, toi? Non, non, laisse donc. Elle venait camper dans le coin et je leur ai donné la permission de coucher dans la maison. Oui, excusez-moi, monsieur. Évidemment, il est un peu tard maintenant, mais si vraiment ça vous dérange, je peux emmener ces enfants au pensionnat. Et vous êtes installé ici? Oui. Oui, nous avons pris la grande chambre près du grenier. Mais il n'y a personne. Je descends, voir si je le trouve dans la cave. Thank you.
qu'est-ce que tu cherches? J'ai faim. Si tu espères trouver à manger dans le bureau de mon père. Parce qu'il a mis son bureau dans la cuisine. Ne donne pas de mal, nous avons vécu ici avant toi. Vous veniez souvent à la maison? On y a même passé les vacances. Qu'est-ce que vous lui trouviez? Elle était à nous. Bien à nous. Et c'est ça, vous allez la casser. C'est toi qui as effacé nos initiales sur les murs. C'était plus beau que votre toile de jute. Ouais, c'est ça, hein. C'est sûr. Où dormiez-vous quand vous étiez ici? Moi, je prenais la chambre au bout du couloir. J'étais avec elle. C'est moi qui couche à présent. Comment était-elle quand vous l'avez connue? Qui donc? Eh bien, la maison. Comme tu l'as trouvée? On ne rentrait que pour dormir. Le reste du temps, je vais dans le parc. Et vous n'y avez rien changé? Pourquoi? Elle plaisait comme ça. Et qu'est-ce que ça vous a fait de les voir ici ce soir? Ça nous a plu, qu'est-ce que tu crois? Ah, je sais pas. Et moi? Toi, on ne te connaît pas. De toute façon, c'est la dernière fois que vous venez ici. Allez les filles, au lit maintenant. On va tout de même pas dormir dans cette étuve. Fais ça, colle une angile. Moi, je me couche toujours face à l'est. Vous êtes folle ou quoi? Alors, un peu de calme. Père, laissez-nous votre lumière. Elle a peur du noir, mon père. Elle va faire voler. Ah, qui est-ce qui a dit ça? Hein? Qui est-ce qui a dit ça? Ben, si vous continuez, on fait les bagages et on s'en va. Alors, voyons. Monsieur, lavez votre lumière. Oh, tiens, la voilà, ta lumière. Mais ne t'en sers pas trop, parce qu'il y a une petite batterie. Je n'aime pas du tout que ces filles couchent ici. Mais pourquoi? Elles mettront peut-être sur une piste. Ah, tu veux rire. Quant à toi, elle va te coucher. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Ah, je vais faire comme eux. Salut. Salut. Ah. Je crois qu'un petit poker nous fera du bien. Ah oui? Ok. Avec ta façon de donner, tu m'as eu d'une caisse de champagne la semaine dernière, mais cette fois-ci, tu m'auras pas. Je te raconte. Comment pouvez-vous jouer aux cartes dans une atmosphère pareille? Ah, il est pas bien. Tiens, coupe. Donne-moi une tige. Merci. T'es content, hein? Tu l'as eu, ta petite chérie. De quoi tu parles? Oh, tu crois que j'ai pas vu que t'as tapé dans l'œil à la môme Sophie? C'est dingue. C'est une gamine. Et alors? Ça t'a dû arrêter? Dis pas de conneries. C'est la fille de Villiers. Bon, alors tu ouvres, on va se regarder comme ça toute la nuit. Tiens, 1000 balles. Trois cartes.
Maintenant, tes manières commencent à me déplaire, tu sais. Tu as pensé à ta mère? Tu t'imagines dans quel état elle doit être depuis ta disparition? Tu crois qu'elle a besoin de ça? Et moi, il faut que je te cours après toute la nuit. Qu'est-ce que c'est encore que cette invention? Je ne veux pas entendre le bruit de ta respiration. Seigneur Jésus-Christ, au nom du Saint-Esprit. Et je t'abjure, vieux serpent, serpent senti, quoi, au nom de ton Créateur, au nom des jugements et des morts, au nom du Créateur du monde, au nom de celui qui a la puissance de t'envoyer dans l'enfer, de sortir immédiatement avec ton armée de fureur. Exercitus furoritui de cet endroit qui appartient à Dieu et qui s'est réfugié dans la crainte dans le sein de l'Église. Une carte. Je relance de 2000. Messieurs, excusez-nous, monsieur l'abbé, on était en bas et on avait cru entendre des bruits. Des bruits ici dans ma chambre?
des instructions pour filmer tout ce qui se passe dans la maison. Alors, voilà. Ah oui. Oui, je comprends bien, mais ça se passe rien ici. Bon, ben, je redescends, là. Tu viens? Bon. J'ai pas rêvé. Rêvé quoi? Oh non, ben rien. Excusez-moi. J'ai dû me tromper. Et sans doute. Sophie, qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce qu'il y a? Il se passe quelque chose. Sophie, pour l'amour de Dieu, il faut que tu t'en ailles. Mais faites quelque chose, aidez-le. Non, moi, je peux pas rester comme ça, allez, Clébert, aide-moi. Attends, j'arrive. J'arrive. Laissez-nous passer. Laissez-nous passer.
Donnez-lui un coup de raide. Il en a besoin, et moi aussi. C'est bien dit qu'il se passerait quelque chose. M. Perrault m'avait raconté, mais j'y croyais pas. Pourtant, j'avais lu un rapport, il y a déjà à peu près une quinzaine d'années. Ça se passait à New York. Des objets se déplaçaient tout seuls dans une maison. Le propriétaire avait une fille de 13-14 ans. Il paraît qu'autrefois, au XVIe siècle, des choses comme ça pouvaient arriver quand il y avait des filles pubères. C'est à ce pic que vous pensez? Je sais pas. Bon, je vais dehors. Je vais jeter un coup d'œil. Non, non, n'y va pas, sors pas, c'est pas la peine. N'en sors pas, il faut qu'on reste ensemble. Pas de panique. Je reviens tout de suite. Sophie, qu'est-ce que tu fais là? Son temps, celle-là. Faut dire qu'il est pas mal. Je penserai pas à ça en ce moment. Il t'aurait plu? Pourquoi faire? Ce qu'elle peut être. Moi, j'ai peur. Allez, allez, les filles, allez ramasser vos affaires. Nous repartons. Allez, 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 vite, dépêchons-nous. J'aimerais mieux qu'elle marche toute la nuit dans le froid plutôt que de rester dans cette maison. Vous avez vu ce qui se passe dans le jardin? Pas encore. Votre fille, vous savez où elle est maintenant? Le générateur. Oui, tout de suite. Merde, il n'y a plus de jus. Le sandgun. Allume le sandgun. Je ne sais plus où j'ai mis. Mets-les dans le couloir. J'y vais. Ça y est, je l'ai. J'en peux plus, je fous le camp. Fais pas idiot, reste où tu es. C'est vu, là. Les voitures, regarde. Oh non, non. Non, j'en peux plus. Non. Ça doit être un ancien puits. Je vois même pas le fond. Allez, viens. Ses enfants, oui.
viens me donner un coup de main.